Et bonjour à tous, on se retrouve pour la suite de Final Fantasy Type 0, suite de la mission où c'est la guerre, la guéguerre, la guéguerre, la guéguerre. Bon, cette mission se passe mieux que la précédente, tant mieux. Allez, c'est parti. J'espère qu'on va bientôt revenir à Academia quand même. Oula. Ah. Encore ce truc. Bonne nuit. Allez, encore plein d'ennemis là. Victoire. Ceci est une victoire du joueur français. Ah non, pas eux. Ouais, t'es mort. Ouais, y'a un gros truc là-bas. Un gros robot. Prends. Allez. Oh putain. Il vient à l'infini ou quoi? On peut viser que le gros là. Hein? Putain, mais il veut pas viser le gros. Il veut pas, hein? Ah, enfin! Voilà. Nickel. Oula, du soin. Merde. Erreur. Non, c'est pas ça. Portée. Voilà. 30 potions. Pas d'objet là. Continue. En tout cas, elle est longue cette mission. Hein. Ça dure, ça dure. Enfin, c'est plutôt qu'on a eu deux missions à la suite alors. C'est pour ça que c'est long. Oh non. Ah, toi t'es mort. Ouais, y en a un autre évidemment. Aïe. Casse les couilles. Monsieur, faut mourir. Ah mais il est mort. Ah
Ah, soutien aérien, j'allais voir. À quoi il va servir? Bah, je me débrouille tout seul, là. Non, on a des niveaux 40 qui nous aident quand même. Merci, si j'ai pas raté d'objet là-haut. Non, on pas l'air. Oula. Ça va, tranquille. Il peut mettre plus d'ennemis encore. Tiens, prenez ça. Et voilà. Merci. Merci au soutien aérien. Ah, faut revenir en arrière? Et si on va là, ça fait quoi? Ah, y'a encore des ennemis là. Le mec qui en veut plus. Oh, putain. Mais il est con quoi. On va peut-être revenir en arrière en fait. Hein. On va éviter de faire le con. Si je meurs bêtement, je vais m'en vouloir. On sauvegarde encore. Pas d'objet. Oula. J'aime bien le mec qui regarde s'il y a des objets. Au lieu de s'attaquer à l'ennemi. Il y a un ennemi? Non, attends, je cherche les objets. C'est moi, il me voit pas. Oh putain. Aïe. Hop, un de moins. Ah,
Allez, prends ça, prends ça, prends ça. Aïe! Oh non, il y en a un autre. Yes. Et la machine à colosse là. Il y en a un autre là-bas encore. Vous pouvez faire ça aussi, hein. Allez, on y est presque. Voilà. Pas de truc caché. Et maintenant on va où? Ah. Pourquoi tu te caches toi? Oh putain! What the fuck? What? Oh, il m'a éclaté! Bah, arrêtez, là! Mais tu chasses quoi? Ils ont fumé, là! C'est quoi cette merde là? Non mais j'aime pas quand le jeu devient dur d'un coup là, sérieux je comprends pas ça. T'es tranquille toute la mission et d'un coup tu peux rien faire. Ouais, je déteste ça moi. Les missions qui deviennent impossibles d'un coup, je comprends pas ça. Rien ça. Le pire, c'est que tu peux pas l'éviter, hein. Non mais c'est n'importe quoi. Sérieux, c'est n'importe quoi, là. Bon, limite, je les laisse faire, hein, sérieux. Qui se démerde, hein. Ça c'est débile, sérieux. Franchement, c'est pas logique du tout. M'explique où est la logique là-dedans. Ah, ils étaient merdes, hein, moi je joue plus. Hein. Voilà. Parfait. Je peux pas l'approcher sinon il me tue. En deux coups il me tue. Quoi ça sert sérieux? N'importe quoi ça sérieux. Quand tu veux.
En fait, faut se barrer, je crois. Ce jeu, je comprends pas la difficulté du jeu en fait moi. Carte de sécurité. D'accord. Encore une mission interminable quoi. Quoi, une casque? Moi je me casse, hein. Il me reste plus que deux persos là. Il y a combien de cartes, sérieux? Oh putain. Mille cartes. J'ai l'impression qu'on revient au tout début là. Ah, yes. Mais il est con lui. Vous allez pouvoir vous ravitailler. Tonifiant, super. Ça va vachement m'aider ça. Ça se trouve, je pouvais ouvrir plein de portes depuis le début, mais j'avais pas compris. Oula, il y a plein de plaques là. Grand pont. Ah. C'est quoi ça encore? Je sauvegarde, évidemment. Pas dit que j'y arrive. C'est quoi ça qui vient de tomber? Et on fait quoi maintenant? C'est qui lui? What? Et allez, un boss. Sérieux. Wow. Putain, il va vite! Ah d'accord. Bon bah j'abandonne. Confusion. Je pars à lui faire là. Essayez de trouver une faille. Il est marrant lui. Ah bah t'as le niveau qu'il a ? 65 ?�
peut le toucher que quand il a marque. Que quand la marque jaune ça marche. Ouais, il met toujours des boss de taré. J'arrive plus à le toucher. Je n'y arrive pas. Ok, c'est mort. Gars chaud là. Le timing est super serré, sérieux. Ouais, c'est méga, méga chaud, méga chaud, méga chaud. Combat infini. Comment tu peux battre ça, sérieux? Il arrête. Ah. Ah bien ça. Ok, donc dès que tu lui enlèves une barre, il est pas content. Oui. Allez, allez. On y est presque. On y croit.
きましょう。c'est quoi là ? Tiens. Casse-toi. Ah, je l'ai touché là. J'y arrive plus. Je n'y arrive plus, je n'y arrive plus. Merde, ça j'avais le temps là. Allez. Putain, j'arrive pas à le toucher. Bon. Ah. Ah, ça marche plus. Merde. C'est un Dax. Ah. Oui. Et fois tu touches, tu sais pas comment. Oui. Allez. Ça, ça fait plus comme avant là. Putain. Oui. Ah, putain. Ah, je l'ai touché là. Putain, je peux pas l'achever là, sérieux. Presque mort. Joli. Ah, yes. Putain, enfin. Ah, ah, je suis refait. ここまでだな。 Ok. Comme ça, il se barre. Fou. Les deux derniers boss, ils étaient chauds. Hein.
中するんだ。我が因なの火星落ちて、おぼろなる方向のもと。カトル様、スザク、陣営に強大な魔力反応です。わかっている。ルシの攻撃が来るぞ。大気が震えるほどの魔力だがひるむな。これを耐えれば道は開ける。第9部隊、第11部隊は後方に下がれ。残りは前進だ。ルシオ、最後まで付き合ってもらうぞ。ああ。さて、こたびの因果に下る王法はいかに。刹那鏡、スザクにクリスタルの可能ある。深淵より討伐の叫び響かせ、天に現出せ。空に放たれた魔力は巨大な魔法陣を形成し、広告軍の頭上を覆った。なんだ、獅子、おい、大きいぞ。幾千もの候補生、軍艦、兵士を英霊にすることでアレキサンダーが召喚された。アレキサンダーの聖なる光は広告軍の国境要塞地帯を粉砕する。聖なる光の攻撃により、広告軍はスザク進行中の第106、107軍に加え、国境要塞後方に展開中の第3軍までもが甚大な損害を受けた。Ah oui, quand même. Ibi.Je comprends pourquoi il est défendu, c'était Dolon. かろうじて生き残った広告軍部隊は、数時間前に越えたばかりの国境を再び越え、本国へと後退していった。誰も生き残っちゃいない。ここまでとは。これだけの王法を受け生き残るか。しかし、この敗北大きすぎるぞ。
そうか。なけ。これが真意か。マサクラ。あれから幾星宿。ここが私のたどり着きし末路か。なんだか寒いな。C'est changé en cristal. Eh ben. ルシー刹那が呼び出した召喚獣アレキサンダーにより、広告軍は大損害を受け。国境から兵を引き始めた。それを受け東方に展開していた総竜軍も交代を開始。戦いは朱雀軍の勝利として幕を閉じた。現時刻をもって西に展開していた広告軍の全滅を確認しました。しかし広告軍を迎え撃った正規軍及びルシ刹那の援護に回った候補生の壊滅も確認しました。刹那教はいかがされましたか。偵察の報告によれば消化されたとのことです。教を手厚く保護し地下霊廟に運んでください。はい。うちの子たちが無事撤退できてよかったわ。刹那教は消化なされました。つまりこれはクリスタルの意思ということです。そうね。全てにおいて意味があり。全てにおいて意味が明ける。私は私の使命を果たすのみです。期待しているわよ。数字だけ聞いたってよくわかんねえよ。全ては記憶の底。私たちは死が溢れても実感がない。いっぱい死んだんだって。このお墓のね、クラサメって人。私たちの隊長だったんだよ。あ、oui, on l'a vu tomber. でも顔も思い出せない。だから涙だって出ないよ。僕たちが泣いたところで何も始まらない。忘れなきゃいいのさ。彼らがここでこの時代に生きていたってこと。彼らのことを心に刻み、私たちは前に進みましょう。それが、bon, bien, bien. On a encore fini un chapitre. Ça s'enchaîne, ça s'enchaîne.Il y a une scène où il chante qui a été bloquée dans la cinématique. Donc vous ne la verrez pas. Malheureusement, je ne peux rien y faire. Après, ce n'est pas grand chose. Elle chante juste 4 phrases et voilà.
Chapitre 7. Cristal no Kobo. Owari naki tatakai. Bientôt à la fin. Il y a 8 chapitres en tout. ビッグブリッジ攻防戦でミリテス・コンコルディアが受けた傷は戦力という人的なものだけにとどまらず兵士たちの精神面にも及んだ。両国の兵士たちは召喚獣を恐れるようになり、もともと対個人の戦力差が大きかったスザクは数でかなわぬはずのミリテス・コンコルディア連合を圧倒し始めた。スザク八席議会はこの状況を機と捉え、両国に対し本格的な首都侵攻を始める旨を達した。アテンション。直接会うのは初めての方も多いですね。私は陰性局局長ミオツク、体調不在のクラスゼロへ通達に来ました。新たな体調の選定も考えましたが、あなたたちの特殊性を鑑みてこのままとすることにします。現在のミッションは2つ、コンコルディア首都攻略とミリテス首都攻略。まずはコンコルディアにて総流を落としてもらいます。ではモーグリ、あとは頼みましたよ。クリスタルの加護あれ。結局どういうことだ。端的には何も変わらないということだな。ミッション前のブリーフィングはどうするのかな。僕がする。クポ。そうだね、ブリーフィングがないと困るよね。だから僕がする。クポ。まあ現地にいる武官たちに聞いてもいいかもね。僕が作戦命令は変わりなく降りてくるから、コムに気をつけてればいいんじゃない。クポー。冗談だよ、落ち込むな。そうですよ、ミッションの指揮もお願いしますね。うー、キングとデュースは優しい。クポー。Bien. Oula, 7 jours et 12 heures, on aura du temps. Bon, et ben, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et à très bientôt pour la suite des aventures de la classe 0. Allez, bye bye.